visu. Donc, on va faire descendre les caisses. Oh, je les avais même pas vus. Bref, du coup, on va remettre les ballons. De toute façon, l'idée, c'est de déplacer la caisse. Voilà, donc on va la mettre sur le truc. Comme ça, le poteau de sortie, il est ouvert. Tac. Hop, je prends ça. Merci beaucoup. Je remets le rouge. Tac. Bon, il était super facile. Bon, on recommence. Du coup, le death run. Ensuite, on a dit qu'on pouvait mettre orange dès le début. Jusqu'à un petit bout de temps. Ouais, bah jusqu'au orange finalement. Voilà. Oula. J'ai pas sauté. Voilà. Ensuite, tac. Ici, on enlève le bleu. Ici, on enlève le bleu foncé. Ici, on enlève le rose. Ah, c'est les violets. Je le saurai pour la prochaine fois. Ensuite, tac. Juste en rose, on peut tenir. Non, non. Non. Aïe, ce niveau est bien dur, ça fait penser à un bon gros Mario, ça c'est sympathique dans ce niveau, donc on peut rester en rose. Ensuite du bleu clair, des bleus. Oula, attendez, il faut pas que je le fasse trop tôt. Du bleu comme ça, du violet, du rouge, du orange, hop le jump et la puerta, oui. Suivant. Alors. Ouh, encore une nouvelle couleur les gars, on va arriver. Je sais pas combien on en a, hein. Bon, on verra bien, mais après il ne manquera plus qu'une couleur, donc on approche de la fin du jeu, c'est sympathique. Ben alors, quelle couleur on a? Est-ce qu'on aura le vert ou le jaune? Telle est la question, le jaune. Eh ben ça va pour le jaune alors. Hop, je suis bien centré en plus pour une voix. Et oui, de jaune. Ta ta ta. Stylé. Ouh. Sympathique en jeune aussi. Hop, avec touffe de cheveux qui bouge, ça me fait trop. C'est génial. Bref, hop, on y va pour les niveaux jaunes. Bon, voilà, j'ai enfin fini, ça m'apprendra à être trop curieux. Voilà, donc on va aller du coup ouvrir ce foutu cube rouge que je vais m'empresser voilà de désactiver. Donc maintenant qu'on a le jaune, et ben on passe au jaune. Avec ce petit derrière qui se bouge. Oula, elle est grande cette chaîne. Alors. Attendez, il y a des lasers, si je passe je meurs. Voilà. Ok, donc on est reparti. Bon là, on est sur quelque chose d'assez simple. Voilà. Hop. Faire attention aux petits bugs parce que des fois ça ne marche pas. Oh, ok, on a pas mal de trucs. Alors, je désactive le laser bleu, comme ça je peux passer ici. Je désactive le violet, je peux passer. Et voilà, les bugs, j'en parlais justement. Désactive le violet. Je sais pas pourquoi, si c'est moi qui fais mal les choses ou pas. Bleu foncé. Alors, la clé est over there. Ok. Donc là, bah, j'imagine que le jump est faisable. Voilà. Ensuite, on désactive le rose. C'était violet. Donc là, hop, je mets là. Hop, je passe. Je passe. Bon, ensuite, je peux clairement désactiver ça. Voilà, passer là. Et ensuite, passer ici. Et... à main sortir. Bon, y a vraiment des niveaux qui sont beaucoup plus simples quand même, hein. C'est assez bizarre. Donc on a un petit pont, ok. Oh, ça commence à bouger maintenant. Ah, tu vas loin, toi. Est-ce que je peux me mettre là et le faire disparaître? Voilà. Si je peux pas... Non, je veux pas se passer là, voilà. Bon, on attend tranquillement. Hop, il passe là. Ensuite, on remet le violet, on avance ici, on peut aller hop jusque là. Ensuite, comment ça se passe? Ok, donc faut attendre que lui il passe. Ensuite, une fois qu'il est passé, je saute, j'en mets les bleus. Hop, et j'avance. Parfait. Donc, je récupère la caisse. Hop, je la mets là. Et je meurs en même temps, c'est cool. Je mets la caisse là. Je supprime les bleus. Je reviens, j'en mets les bleus. Hop. Ensuite, je supprime les oranges. Voilà, on va faire ça comme ça. Et maintenant, je peux supprimer les bleus. Je peux descendre et pousser la caisse. Hop, je la mets là. Et si je supprime les oranges... Ah, mais attendez. Les caisses, je pense qu'elles flottent. Et donc, du coup, vu que j'ai mis ma caisse bleue en haut, là... Bah si, je peux clairement passer, là. Si je remets les bleus. Voilà, c'était pas compliqué. Eh, mais... je me complique la vie, moi, c'est terrible. Hop, voilà. J'avais tout fait, hein, mais vraiment, je comprenais pas. Alors... ouais, donc là on peut supprimer ça, on monte avec le laser, ok. On supprime le rouge, vite, vite, vite. Ok, on n'est pas mort, donc là on peut remettre les rouges. Ensuite on va
Désactiver les bleus, pourquoi pas. On monte avec le laser, on va sur le jaune, on supprime les roses, attention. Le laser est passé, on va supprimer les bleus, pourquoi pas. Non, il va nous falloir supprimer les rouges ici. Ensuite on les remet, on suit le laser, on suit le laser. Et on va là et on supprime les rouges. Ensuite on va devoir remettre les rouges sans supprimer le bleu. Donc voilà. Et niveau suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On peut passer là. Ouais. D'accord. Pour l'instant c'est très peu utile ce que j'ai fait. Donc ça, ça nous déverrouille la sortie et la clé est là. Ah bah il y a une caisse là. En fait, j'ai juste à mettre ça là. Comme ça je peux le récupérer de l'autre côté. Ensuite je prends cette caisse. Pouf. Je la mets là, qui me permet de monter. Ensuite je récupère la caisse. Voilà, qui va me permettre dans un premier temps. Ah, il va falloir que je ramène l'autre caisse après, mais attends, tant pis. Hop, de prendre ça. Et maintenant, je dois ramener l'autre caisse. Et si elle appuie plus sur la plaque, bah, ça marche plus. La plaque n'est plus activée et c'est embêtant. Voilà. Hop, je reprends la bleue qui va me permettre, elle, de remonter chercher la violette. Hop, je prends, allez, descends s'il te plaît. Voilà, je prends la violette. Je la dispose sur la plaque, je peux supprimer directement les bleus. Et voilà. Parce que sinon, si j'avais une bleue, là, j'aurais supprimé les bleus, il n'y aurait plus de caisse. Du coup, le levier aurait été désactivé, comme ça. Voilà. Mais bon, là, on est bon, donc on peut y aller. On a la clé, tout va bien, on fait apparaître la porte et on y va. Ouah, et attendez, mais ça devient un jeu de plateforme, ce truc. Je marche dans le vide, c'est cool. On dirait Fortnite. Bref. Tac. Je passe juste ici. Donc là... Non, c'est du rouge, ça peut pas être du rose, c'est pas possible. Donc là, on attend bien, et dès qu'on passe, on enlève le rouge, on fait attention, je suis bien sur le rouge, voilà. Et là, voilà. Oh, attendez, il y a une échelle. Oh, je vais voir l'easter egg. Alors, là, on va rester sur le rouge. Le jaune, non, c'est l'orange. Il y a une petite échelle en bas. Si ça nous permet d'avoir une fiole sans trop bosser... Ça serait plutôt sympathique. Bon voilà, c'était assez prévisible. Hop, suivant. Alors, c'est bien un délire. Alors, on va supprimer le bleu clay. Ouais. Donc si je peux prendre lui. Si je peux prendre lui. Il n'y a pas besoin de supprimer le jaune. Maintenant si. Ok. Oh bah là, ça va être super compliqué là. C'est vraiment ça qu'il faut faire? Ou alors j'ai loupé un truc, hein, peut-être. Ah non, bah ouais, en fait, c'est juste les trucs d'au-dessus. Et je suis jamais allé aussi loin. Donc là, on atteint la porte avec... 4 lins, et la clé est sur une échelle. Donc... en fait c'est pas trop compliqué je pense. J'ai juste allé là, supprimer le bleu, et là pendant ma chute je supprime le violet j'imagine. Voilà, ensuite je peux supprimer les lasers qui m'empêchent de vivre. Les méchants, voilà. Oh mais lui il va jusque là. Oh la vache. Violet. Non, c'est bleu. Ok, je peux passer. Orange. Ok, bleu clair. Bleu foncé. C'est quoi ça? Violet? Oui. C'est violet. Ah, j'ai joué ma vie. Ce niveau, je l'ai vraiment pas aimé, je joue ma vie. Je voulais vraiment pas recommencer. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est tout. D'accord. Bon, ouais. De toute façon, ça sert à rien. De toute façon, pour l'instant, faut que j'enlève le rouge. Pour voir ce qu'il y a en dessous. Ah. Et là tu jump et là t'enlèves le bleu en fait. Voilà, tout simplement. Parfait. Ouais, ça devient de plus en plus compliqué ce bordel. Hello, do you receive my echo?